Seigneur, on te prie pour être concentré sur toi. On te prie parce que tu es le seul et unique secours qui soit digne de valeur dans ce monde, qui soit certain, qui soit éternel, qui ne change jamais. Et Seigneur, nous te prions que nos cœurs soient accrochés à toi, pour te comprendre, pour nous laisser transformer par toi, pour agir selon ta volonté, pour vivre de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un bon été. J'avais très à cœur ce matin de partager un message sur la question familiale. Parce que le retour d'été, pour certains, c'est le moment où les gens ils ont navigué dans divers endroits. Il y en a qui sont passés dans la famille, dans la belle famille. Et il y a des clubs à ouvrir de chrétiens anonymes embêtés par sa famille chaque été. Alors voilà, plutôt que d'ouvrir le club à la rentrée, on fait une prédication là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dans l'Écriture sur la question familiale. Cette question qui est à la fois un lieu de bénédiction et puis en même temps, c'est vraiment un lieu de souffrance. Et donc j'avais à cœur de pouvoir partager ça avec vous. Alors dans la Bible, on peut aller un peu partout pour cette question familiale. Je me suis attaché ce matin à quelque chose qui est, je trouve très très significatif. C'est que le père d'Israël, les pères d'Israël, de la nation d'Israël, de toutes les familles et de tous les clans qu'il y a en Israël, leur histoire est décrite dans le livre de la Genèse. Et elle est décrite comme absolument fondatrice. L'unité de tout ce grand peuple, elle est décrite par une succession de patriarches qui ont vécu des trucs. Mais vraiment, c'est l'archétype parfois de ce qu'il ne faut pas vivre en famille, quoi. Donc je parle de Abraham, Isaac, Jacob, et puis je parle aussi de Joseph et ses frères. Et vu que ça fait un peu long pour vous lire toute la Genèse, vous avez des Bibles, hein, vous savez où est la Genèse. C'est le plus facile à trouver parce que c'est le premier livre. Voilà. Et donc vous pourrez lire ça. Moi, j'ai envie de re-raconter pour tous ceux qui ne connaîtraient pas bien cette histoire, l'histoire avec Joseph. Donc Joseph, on est déjà avec l'arrière-petit-fils d'Abraham. Joseph, c'est un garçon qui est né dans une grande famille. Hein. Alors, il faut raconter un petit peu sur le père de Joseph, Jacob. Jacob, c'est un des patriarches, un de ceux qui fondent Israël. Même lui, il a changé de nom. Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Donc, vous voyez à quel point c'est fondateur. Jacob, il est le père fondateur d'Israël avec Abraham et Isaac. Il a plein d'enfants et il a plein d'enfants de différentes femmes. Alors là, c'est important de connaître les enfants de Jacob avec ses différentes femmes, parce qu'en fait, ça va structurer Israël avec les 12 tribus, parce que Jacob a 12 enfants, et ses enfants vont être à l'origine des 12 tribus d'Israël. Alors, il a déjà des premiers enfants avec une femme qu'au début, il n'a pas aimée. Au début, elle s'appelle Léa. Au début, il n'aimait pas cette femme. Il aimait sa petite sœur. Il avait travaillé pour avoir sa petite sœur et tout ça. Le beau-père lui avait dit « Oui, je vais te donner la femme que tu aimes. » Et puis le jour du mariage, il s'est retrouvé avec Léa. Il n'était pas très content, mais voilà. Et il a quand même eu 6 enfants. Il a eu, ses 6 enfants, c'est Ruben, Lévi, Issachar, Zabulon, Judas et Siméon. 6 enfants qui vont être 6 des 12 tribus d'Israël. Après, il a enfin eu la petite sœur qu'il avait beaucoup aimée. Et avec la petite sœur, il a eu 2 enfants, mais tardifs, qui sont Joseph, celui dont je voulais vous parler, et puis Benjamin, le plus jeune. Et avant d'avoir des enfants avec celle-là, en fait, il a eu des enfants avec... C'est horrible à raconter comme ça. Il a eu des enfants avec les servantes. Les servantes de Léa et la servante de Rachel. Alors, voilà, il a eu 2 enfants avec chacune, Gad et Aser, Dan et Nephtali.
Et c'est ça qui fait les 12 tribus d'Israël. Ces 12 enfants sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Ça fait beaucoup d'enfants avec 4 femmes différentes. Et je peux vous dire que c'est le bazar. C'est le bazar. Et là, la Genèse, en fait, c'est la narration du bazar dans les familles. Et depuis Abraham, hein, depuis Abraham, c'est la narration du bazar dans les familles, le bazar entre des hommes qui ne savent pas toujours où se mettre, qui ne se positionnent pas bien par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs femmes. Ils préfèrent telle femme, ils sont injustes avec leurs propres épouses. Et les femmes qui se crêpent le chignon, qui font du chantage affectif, qui organisent des plans totalement bizarres. Et voilà. On se retrouve avec ces 12 frères. Et Joseph, parmi ces 12 frères, il a le statut de privilégié, de chouchou de son papa, parce qu'il est le fils de sa femme préférée. Joseph, c'est le fils préféré. Ah, Joseph, ah, le petit Joseph. Ah, le petit Joseph. Alors, tous les frères, ils sont en train de bosser, ils vont garder les moutons et tout ça, très loin et tout ça. Mais le petit Joseph, il est resté à la maison. Les autres, ils ont des vêtements de bas étage, là, marque Decathlon et tout ça, là. Et Joseph, il est toujours bien sapé. Le père lui fait une tunique multicolore et tout. Ah, oh, ça, c'est mon petit Joseph. Les autres frères, normal, pas content. Et la jalousie des frères, la jalousie, c'est pas bien. Mais ça, dans toutes les familles, on dit la jalousie, c'est pas bien. Sauf que quand il y en a un qui est vraiment préféré, la jalousie, c'est pas bien, mais enfin, préférer un enfant, c'est pas bien non plus, quoi. Et donc, le sentiment de jalousie, c'est très, très mal. Hein, c'est mal, c'est pas bien. Mais ça naît des blessures du cœur, en fait. Et c'est mauvais de l'avoir laissé faire dans une famille. Les frères sont en train de bosser, là. Ils sont à plus de 80 km de la maison, une fois. Et puis le père envoie Joseph pour voir comment les frères vont. Joseph, non seulement les frères étaient énervés contre Joseph parce qu'ils voyaient bien que c'était le chouchou du père, mais Joseph, il avait un truc en plus, c'est qu'il rêvait. Et quand il faisait des rêves, au lieu de garder ses rêves pour lui, il racontait ses rêves à ses frères. Et en fait, les rêves peuvent venir de Dieu, hein, ça arrive. Pas toujours, ça peut venir d'autres que Dieu. Mais quand un rêve vient de Dieu, qu'il vienne de Dieu ou qu'il ne vienne pas de Dieu, c'est pas forcé qu'on soit obligé de raconter le rêve à tout le monde tout de suite. Bon, mais Joseph, il ne connaissait pas encore ça, et donc il avait raconté à ses frères, « Oh les gars, j'ai rêvé de vous. En fait, il y avait des petites gerbes qui se prosternaient devant une grande gerbe. Et en fait, il y avait 11 petites gerbes qui se prosternaient devant une grande gerbe. Voilà. Je dis ça, je dis rien, les gars. Mais les gars, ils n'étaient pas très contents. Et puis, il avait raconté une fois aussi à son père qu'il avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Alors, non, mais les parents, laisse tomber, quoi. Ils n'étaient pas du tout contents de ce genre de rêve. Et en plus, Joseph, il n'avait pas vraiment les moyens de comprendre les rêves qu'il était en train de faire, mais il dit les rêves à sa famille. C'est quelque chose qui a été très très dur à vivre dans la famille de Joseph. Les frères vivent ça comme une agression permanente. Le petit chouchou qui vient et qui manifeste quelque chose qui est de l'ordre de la supériorité. Et cette fois où Joseph est envoyé à plus de 80 km de la maison pour aller chercher, pour aller voir comment vont ses frères, les frères, quand ils voient arriver Joseph, ils se disent « on est loin, on n'en peut plus de cette injustice ». Et il y a un truc énorme qui se passe dans leur cœur. Et je trouve ça incroyable que la Bible raconte ça, que la Bible raconte la méchanceté du cœur humain chez les pères fondateurs d'Israël. Ça, c'est très très fort. Si vous vous doutez que la Bible est vraie, dites-vous que la Bible a été écrite pour mettre la honte à ceux qui étaient les pères d'Israël. Du coup, je ne connais pas un seul peuple qui écrit dans cette optique-là, en acceptant qu'on mette la honte à ses fondateurs, à ses dirigeants et à ceux qui fondent ce peuple-là. Normalement, moi, si j'écris un livre sur moi, je peux vous dire que je vais dire que je suis super bien. Voilà.
Israël écrit un livre sur lui-même en disant à quel point ils sont pécheurs. Et là, la Bible raconte quelque chose qui est horrible dans le cœur des Israélites, c'est que les 11 frères se sont ligués contre Joseph pour l'éliminer. Il y a un frère, Ruben, qui est contre la mort de Joseph. Alors là, vous vous dites, Ruben, il s'en sort bien quand même parmi les 11. Hein. Ouais, Ruben, il s'en sort bien parmi les 11, c'est vrai. Bon, c'était quand même celui qui avait aussi couché avec une des servantes de son père. Donc, il s'en sort bien cette fois, mais il y a d'autres fois, c'était pas top. Voilà. Donc, les 11, un peu au même niveau, et il décide de le mettre dans une citerne, de l'abandonner. Puis finalement, il y a une caravane qui passe avec des Ismaélites et on va le vendre aux Ismaélites. Vous savez qui c'est les Ismaélites ? En fait, c'est juste les cousins. Donc en fait, ils ont vendu en esclavage un frère à leur cousin. C'est top la Bible. Hein. Non mais c'est énorme quand même. Ismaël, en fait, c'est le frère de leur grand-père. Ismaël, c'est le frère d'Isaac. Vous vous rendez compte ? Donc en fait, c'est les Ismaélites, c'est les cousins issus de Germain, si je compte bien. Voilà, si je ne me trompe pas là-dedans. C'est les cousins issus de Germain. Donc on vend notre frère en esclavage aux cousins issus de Germain. Et puis on va continuer l'histoire. Et les cousins issus de Germain, ils vendent Joseph en Égypte, en esclave. Et Joseph va se retrouver dans une maison égyptienne auprès d'un haut fonctionnaire qui s'appelle Potiphar. Et là, Joseph va manifester des qualités d'intendance qui sont absolument extraordinaires. Tout ce qui touche, toutes ses affaires, tout ce qui touche se transforme en or. Les affaires de Potiphar fleurissent de partout. Et c'est incroyable. Potiphar dit, ah non mais moi j'arrête de bosser. Potiphar dit, moi je ne m'occupe plus que de mes repas. Je vais laisser Joseph faire tout le reste, tellement c'est génial. Et donc Joseph pourrait vivre des jours absolument heureux en Égypte. Mais l'injustice, quand elle touche quelqu'un, parfois elle n'est pas prête de s'arrêter. Et du coup, il y a la femme de Potiphar qui tombe amoureux de Joseph. Joseph est dans une situation un peu compliquée. Parce que la femme de Potiphar fait ce qu'on appelle du harcèlement. Vous voyez, le harcèlement, c'est vieux comme le monde. Hein. Ce harcèlement, alors d'une femme vers un homme, vous voyez, ça arrive, des hommes vers les femmes. En tout cas, de celle qui est en position de pouvoir et de supériorité, hein, quand même globalement, sur celui qui est en infériorité. Mais Joseph dit non, ça je peux pas, parce que moi, ton maître, je le respecte, il m'a tout donné, sauf toi, quand même. Et donc, non. Et puis elle lui tend un piège, et puis il se retrouve accusé d'agression sexuelle, il se retrouve en prison, et là, rebelote en fait. Le gars, il est sorti de prison, vendu en esclavage, il commence à monter, à s'en sortir, à monter les échelons de la société, et puis rebelote, il se retrouve en prison. Et il se retrouve en prison avec deux hauts fonctionnaires du roi, le panetier, le grand échanson, qui eux aussi font des rêves. Mais Joseph, c'est quand même vraiment le roi des rêves, comme le dit le dessin animé que peut-être vous avez vu. En tout cas, les enfants, ils connaissent ça. Joseph, le roi des rêves. Voilà. Et Joseph va interpréter le rêve pour ces deux hauts fonctionnaires du roi, ce qui va beaucoup impressionner celui dont l'interprétation est bonne. L'autre, il n'est pas très impressionné parce que l'autre, il est pendu, en fait. Donc, il n'a pas le temps de manifester à quel point il est impressionné par l'interprétation de Joseph. Mais celui pour qui ça marche, ça va. Et Joseph va un jour sortir de prison. Pourquoi ? Parce que le pharaon lui-même fait des rêves que personne n'arrive à interpréter. Le pharaon lui-même. Là, on est tout en haut de la société. Et à ce moment-là, Joseph va pouvoir intervenir auprès du pharaon pour interpréter et manifester que ce n'est pas lui en tant que Joseph, mais c'est Joseph en tant que en relation avec Dieu qui est capable de dire à Pharaon ce qui se passe. Et le rêve ne concerne pas que Pharaon, le rêve concerne toute l'Égypte et toute la région, parce qu'il va y avoir cette année d'abondance et cette année de famine dans la région, ça va être terrible. Joseph devient l'intendant de toute l'Égypte, l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Cet homme a une puissance sur cette nation qui est considérable. L'histoire des frères, elle est très loin. Pourquoi Joseph est devenu aussi puissant, aussi fort ? En fait, il ne le serait jamais
devenu s'il n'avait pas été vendu en esclavage et s'il n'avait jamais quitté son père. Il serait resté le berger chouchou jusqu'à la mort de son père. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose, le berger chouchou, jalousé par ses frères, une vie somme toute compliquée, il va devenir l'homme le plus important d'Égypte. Et pendant la famine, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des hommes loin d'Égypte qui vivent dans une famille avec un père qui s'appelle Jacob. Et eux, ils ont faim. Et à un moment donné, il n'y a plus qu'une solution, c'est d'aller en Égypte. Et Joseph va se retrouver à accueillir 10 de ses frères qui viennent pour demander de la nourriture. Et là, je vais vous passer les péripéties, parce qu'il faut quand même que vous lisiez un peu la Bible cet après-midi. Je vous passe les péripéties, mais il va y avoir une réconciliation qui est possible. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va faire que Joseph va pouvoir retrouver le cœur de ses 11 frères, les 10 frères qui l'ont mis dans la citerne, et puis son tout petit frère Benjamin. Il va pouvoir retrouver le cœur de ses frères. Cette histoire, elle s'écoule sur plus de 10 chapitres dans l'Écriture. Elle est faite de rebondissements, elle est faite de pleurs, elle est faite de la narration de cœurs très très durs qui vont jusqu'au fratricide en fait. Le fratricide manqué, mais le fratricide dans le cœur, il était consommé. C'est une histoire qui est absolument terrible. Et pourtant, c'est l'histoire des patriarches. C'est l'histoire qui fonde l'unité familiale du peuple d'Israël. C'est quand même incroyable ça. L'histoire de l'unité familiale d'Israël est fondée sur ces histoires de décomposition totale et de réconciliation. Je voulais partager avec vous deux grands axes qui m'ont été inspirés par cette histoire et puis par tout ce que je peux vivre moi-même et puis avec les familles dont je suis proche et qui m'ont ouvert leur cœur et qui vivent des choses dont la Bible parle. La Bible parle de nos familles. En fait, si on se dit oui, mais nous, on n'est plus dans un modèle polythéiste, nous, on n'est plus dans un modèle nomade, nous, on n'est plus dans un modèle oriental, c'est faux. Bon, le modèle polythéiste, j'espère qu'il y a le moins possible d'entre nous qui sont dans ce modèle-là, mais on est dans un modèle qui est biblique en fait. C'est-à-dire, si nous n'avons pas le modèle sociologique au niveau familial, il y a un truc qu'on a, c'est qu'on a le même cœur. Dans les familles, si on prend d'Abraham qui a dû se séparer de son neveu Lot, Isaac et Ismaël qui se sont embrouillés parce que leur maman était jalouse l'une de l'autre, Rachel et Agar, Ésaü et Jacob qui se sont embrouillés parce qu'ils voulaient la bénédiction paternelle et qui avaient encore une maman qui faisait n'importe quoi et qui manipulait. En fait, vous voyez que dans les familles, en fait, il y a des clés de compréhension dans la Bible, quel que soit le modèle. Il y a des problèmes avec l'absence des pères, la lâcheté des pères, la lâcheté des papas, la lâcheté spirituelle. Hein, c'est pas que les mecs, il y a des mecs qui font la guerre, mais quand ils sont dans la famille, ils sont lâches. Alors ça c'est bizarre, on voit des hommes de guerre qui dans leur famille font preuve de lâcheté. Ça c'est un classique. Il y a la lâcheté des pères, il y a aussi toutes ces tentations et cette bizarrerie au niveau de la sexualité des hommes. La sexualité des hommes qui dans la Bible est manifestée comme les hommes qui ont tellement de mal à vivre le projet de Dieu, de cette unicité de la relation avec leurs épouses. Voilà. C'est quelque chose qui est là dans la Bible et qui met le bazar. Je ne vous raconte même pas, parce que je n'ai pas le temps, mais parmi les 12 frères là dont j'ai parlé, mais si vous savez ce qu'eux, ils ont fait, je vous ai dit que Ruben, il avait couché avec une des femmes de son père, mais il faut quand même savoir aussi que Judas, il a fait absolument n'importe quoi avec ses propres enfants et tout ça, et il s'est retrouvé quand même, le gars, à coucher avec sa belle-fille en croyant qu'il couchait avec une prostituée. Ah, je me suis trompé. Je croyais que je couchais avec une prostituée. C'était pas bien non plus. Hein. Mais
Voilà. Donc des problèmes, il y en a partout. Il y en a partout. La sexualité des pères, des hommes, est un vrai problème qui est décrit dans la Bible. Et puis là, chez les femmes, quand je lis l'histoire des quatre patriarches, c'est le problème de la manipulation, du chantage affectif, des instincts de domination dans la maisonnée, la primauté dans la maisonnée, etc. Des histoires comme ça. Plein de choses liées au chantage affectif et à la domination dans la famille. Voilà. Moi, c'est deux choses que je repère là dans cette série de patriarches. Mais ça va, ça ne concerne personne. Hein, ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Hein, vous avez vu, hein, tout de suite, ça, c'était il y a très longtemps. Hein. Je sens qu'il y a comme une gêne qui plane. Alors, voilà où on en est. La Bible parle de notre cœur. La Bible parle des structures de notre cœur, des structures de nos relations sociales. Et même si on n'est plus dans les mêmes modèles, elle parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La Bible nous décrit. Et si on ne veut pas le voir, en fait, à mon avis, c'est simplement qu'on se cache des choses et qu'on vit dans l'illusion. Beaucoup de douleurs dans nos familles. Beaucoup de douleurs pour les chrétiens qui vivent dans des familles non chrétiennes. Mais il y a de la douleur pour des chrétiens dans des familles chrétiennes. Il y a beaucoup de douleur dans les familles parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnel. Le dysfonctionnel dans les familles. Comment on fait? Moi, il y a quelque chose. Je vois que à tous les niveaux des patriarches, en fait, il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures à chaque fois. Abraham, ce n'était pas lui qui est forcément, lui et Lot qui étaient vraiment embrouillés, mais leur famille, leur clan, leurs bergers, leurs serviteurs, c'était eux qui commençaient à s'embrouiller. Et Abraham et Lot ont pu, comme des adultes, se séparer. Ils se sont séparés. Et en fait, de leur séparation a pu naître une bénédiction pour Lot, parce que finalement, c'est Abraham qui a pu intercéder pour Lot quand Lot s'est retrouvé dans une ville qui allait être détruite par le Seigneur à Sodome. Et c'est parce qu'ils s'étaient séparés que Abraham a pu avoir ce recul et prier pour Lot. Après, avec les enfants d'Abraham, avec Isaac et Ismaël, la séparation, elle est très dure entre Isaac et Ismaël. Elle a failli mal se passer parce que Rachel était tellement méchante, injuste avec Agar. Elle était injuste avec Agar, sa servante qui avait donné un enfant quand elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais en même temps, c'est vrai qu'Abraham est resté très longtemps passif dans cette histoire de femme. Histoire qui concernait ses enfants. Ah ouais. Moi, je suis le père, je ne sais pas si j'interviens dans les histoires de mes enfants. Et puis finalement, en fait, c'est Dieu qui a conseillé à Abraham de prendre ses responsabilités. Et c'est à cause de ça que Ismaël et Agar ont pu partir dans, finalement, de bonnes conditions. Et que Dieu a dit, je bénirai Ismaël et Agar. Mais la bénédiction, elle passera par Isaac. La bénédiction, la descendance, le grand peuple qui doit naître de toi, il passera par Isaac. Mais il y aura un grand peuple aussi pour Ismaël. Et cette séparation, en fait, c'était la séparation nécessaire. Jacob et Ésaü, c'est une histoire vraiment sordide où la maman a comploté avec un des enfants pour choper la bénédiction et le droit d'aînesse de l'autre. Un truc trop, trop bizarre. Mais de cette séparation, de ce clash considérable qu'il y a eu entre les deux frères, en fait, il a pu naître la prise de conscience pour Jacob, loin de chez lui, loin de chez papa-maman. Il a pu prendre conscience de tout ce qu'il avait fait. Il a pu se tourner vers Dieu, il a pu revenir et il a pu se réconcilier avec son frère. Il a pu se réconcilier avec son frère parce qu'il avait entamé la séparation, parce qu'ils avaient entamé la séparation physique, psychique. Et c'est ce qui se passe pour Joseph. Alors là, c'est fort. Et c'est même extrêmement brutal. Mais au moins, il a gagné du temps. Ils ont gagné du temps dans cette séparation. Pour nos familles, moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Un enseignement très, très profond. C'est qu'en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas l'acceptation de cette séparation, l'acceptation d'une différence, l'acceptation d'une traversée de la souffrance, en fait,
Il y a souffrance dans nos familles. Dans nos familles, alors là, je pense en particulier les familles quand il y a un chrétien et qu'il y ait une odeur de mort pour toute sa famille, que ça se passe mal et que lui qui a appris à voir des choses, etc., il voit les dysfonctionnements dans sa famille. Il n'y a pas d'autre solution qu'à un moment donné, une séparation. Une séparation dans son cœur, dans sa tête, et une traversée pour revenir. Et en fait, je pense qu'il y a des chrétiens qui, à un moment donné, ne veulent pas accepter les dysfonctionnements de leur famille. Tu es obligé de les traverser, les dysfonctionnements de ta famille. Si tu veux garder ta famille, si tu veux continuer à aimer ta famille, aimer ton père, ta mère, tes frères, ta belle-mère, tes cousins, tout ça, il y a un moment donné, je crois que vraiment, il est nécessaire de traverser une rupture dans ton cœur avec eux. Un moment de désespérance. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore désespéré. Et en fait, ils s'attendent encore à des choses. Et ils sont frustrés. Et à chaque fois, ils sont déçus. Et à chaque fois, ça se passe mal. Et à chaque fois qu'ils retournent dans la famille, et eux, ils ont dit, ouais, on va faire des efforts, on met telle et telle limite et tout ça. Mais ils se font bouffer, les limites se sont déplacées. Il fallait de nouvelles limites. Et c'est la tristesse, et c'est l'accablement. Et comment ça va se passer? Et en fait, il n'y a qu'une solution. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses dont il faut désespérer. Parce que sinon, tu continues à mettre une pression qui est complètement... injuste, qui est complètement à la fois illégitime et puis insupportable pour les gens de ta famille. Le chrétien qui, à chaque réunion de famille, veut convertir tout le monde. Mais juste ça ne va pas marcher, quoi. Mais vas-y, souffre, hein. Continue. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas te dire à chaque réunion de famille, je vais convertir tout le monde. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Tu dois traverser ce moment de souffrance, tu dois le traverser, tu dois passer derrière. Il y a une séparation qui est nécessaire. Et le deuxième moment qui va être absolument nécessaire, dans un deuxième temps, c'est d'accepter qu'il y a une élection, mais que l'élection, c'est celle que Dieu choisit, fait. C'est l'élection de Dieu. Tu ne peux pas être le sauveur de ta famille par tes propres déclarations. Tu ne peux pas être le sauveur de ta famille, celui qui va remettre les relations familiales à l'endroit. Tu ne peux pas être celui qui va réajuster ta mère avec ses défauts de domination et tout ça, et tous les trucs qu'elle ne comprend pas. Tu ne vas pas... C'est tellement impossible d'aller changer son père qui est lâche dans le modèle familial, tout ça. Impossible. Tu ne peux pas. L'élection de Dieu. L'élection de Dieu, c'est que Dieu va faire les choses au moment où lui l'a décidé. S'il veut t'utiliser, il t'utilisera. Est-ce que Joseph, quand il avait plein de pognon en Égypte, s'est dit, tiens, je vais aller revoir mon père. Maintenant que je suis tout là-haut, je vais aller refaire un petit tour en Canaan. Et puis, je vais aller faire une petite leçon, une petite blagounette à mes frères pour leur dire quand même, hein, vous avez vu où j'en suis, etc., etc. C'est pas venu à la tête de Joseph. Joseph n'a pas fait ça. Joseph, et là, vraiment, quel discernement spirituel il a eu. Il a attendu, je ne sais pas s'il était conscient de ça, mais c'est Dieu qui lui a envoyé ses frères en Égypte. C'est Dieu qui a envoyé ses frères. C'était improbable, totalement improbable. Qu'est-ce que viennent faire les Cananéens en Égypte? C'était totalement improbable, mais Dieu a envoyé ses frères en Égypte. Et Joseph a pu, à ce moment-là, et il a pris son temps pour faire ça, selon les règles de son cœur, des règles spirituelles, etc. Il a pris son temps, et c'est comme ça qu'il a pu devenir une bénédiction pour ses frères. Il a obtenu les larmes de ses frères. Lui-même, il a pu pleurer, il a pu purger sa blessure, parce qu'il était au bon timing, le timing de Dieu. Si vous voulez un conseil pour bien souffrir,
c'est de ne pas respecter le timing de Dieu et d'essayer d'aller évangéliser vos familles ou d'aller purger les blessures de vos familles ou d'aller ouvrir les brèches qu'il y a dans vos familles, les secrets de famille. Hein, vous savez, les cadavres dans le placard de l'arrière-grand-père. Ben, les cadavres dans le placard de l'arrière-grand-père, allez le dénicher quand ce n'est pas le timing de Dieu. Bon courage. Il y a un timing pour Dieu. Il y a un timing pour Dieu qui est vraiment important de trouver. Et ce temps de Dieu, en fait, correspond à ce temps où vous êtes prêts, où les autres sont prêts, et c'est que Dieu qui le décide. Parce que sinon, hein, les uns et les autres, on n'est pas faits tous du même caractère. Il y a ceux pour qui c'est tout de suite maintenant le temps de Dieu, puis je sais aussi qu'il y en a pour qui c'est pas encore le temps de Dieu, hein. Ce sera jamais le temps de Dieu, j'espère. Il y a ceux qui vont jamais dénicher les cadavres. Hein. Le temps de Dieu, ça veut dire que quand c'est Dieu, ce sera Dieu. Et c'est vraiment ce discernement sur le temps de Dieu que la Bible nous invite à apprendre. Ce discernement sur le temps de Dieu, il demande de passer d'abord par ce terrain de la désespérance et de se concentrer sur soi-même. Si tu as des problèmes en fait, avec ta famille, vraiment, le salut de ça, c'est à un moment donné de sortir et de prendre du recul. D'arrêter de justifier ta mère contre ton frère et ton cousin contre sa tante. Voilà. De sortir de ça. Sors. Sors parce que dans les familles, c'est le meilleur moyen d'être piégé et de défendre des choses à moitié justes, de manquer des informations et d'être complètement incompris. C'est le meilleur moyen pour en fait perdre toute crédibilité pour l'annonce de l'évangile. Toute crédibilité. Sors. Sors de ta famille, à un moment donné. Je veux dire psychiquement et affectivement. Sors de ta famille. Regarde, pose-toi et concentre-toi sur toi. Quelles sont tes responsabilités? Quelles sont tes responsabilités? Moi, je suis étonné parce que Joseph, qui avait fait preuve de beaucoup d'audace en racontant ses rêves à ses frères et à son père, et en faisant preuve d'orgueil, c'est clair, bah finalement, quand il a retrouvé ses frères, il ne leur a pas fait la grosse morale en mode « Vous m'aviez mis dans une citerne, hein? C'est qui le boss maintenant ?» Voilà. Et ça montre que Joseph a eu le temps de travailler sur lui, de travailler sur ses propres blessures, ses propres injustices. Je voudrais quand même vous le partager, que ce soit vous, que ce soit moi, si on a des problèmes dans une famille. En fait, je vais vous dire, on est tellement imprégné de la culture de nos familles, on est tellement imprégné de la manière de faire de nos familles, des structures de pensée, de la vision du monde de nos familles, qu'en fait, vous avez peut-être repéré qu'il y a plein de gens injustes dans votre famille. Peut-être que vous avez repéré que la belle-mère, le cousin et les frérots, ils ont complètement pété un câble et qu'ils fonctionnent complètement à l'envers. Mais en fait, il est fort probable que nous soyons tous touchés par ce qui a fait déboulonner nos familles. Et donc, il est très important de travailler sur soi. Si tu repères des dérapages dans ta famille, travaille sur tes propres dérapages. Travaille sur ce là où toi, tu aurais pu déraper. Donc, c'est vraiment important. En fait, c'est une démarche chrétienne habituelle. Quand tu vois un problème quelque part, ne fais pas que confier les gens au problème à Dieu. Seigneur, je te les remets eux avec leurs problèmes. Mais quand tu vois un problème quelque part, demande-toi où ce problème te touche toi. Et quelles sont les failles que toi tu as laissées pour que ce problème touche ton propre cœur. Prends patience. Sors de la situation, prends patience et repens-toi. C'est bizarre, hein, quand on dit j'ai discerné qu'il y avait un gros problème chez les autres et qu'on te dit si tu as discerné qu'il y avait un gros problème chez les autres, repens-toi. C'est bizarre. J'aurais voulu que eux se repentent. Oui, bah laisse-les se repentir. Mais repens-toi d'abord. Commence par ça. Puis attends le temps de Dieu parce que ce temps viendra. Et lis le temps. Lis les signes des temps. C'est en désespérant de ta propre famille que tu vas peut-être trouver la possibilité de l'aimer.
c'est quelque chose que je conseille qui est totalement paradoxal, mais il y a plein de... quand j'entends des histoires de famille absolument horribles, je me rends compte qu'il y a des enfants maltraités qui sont dans la culpabilité parce qu'ils arrivent, ils arrivent pas à aimer complètement leurs parents, leur père qui les a abandonnés, leur mère qui les a maltraités, et ils n'arrivent pas à les aimer. Ils disent, mais moi je suis chrétien, je dois aimer mes parents. Et en fait, comment tu vas faire? Si tu n'arrives pas à les aimer, c'est parce que tu n'as pas assez désespéré. C'est parce que tu attends encore quelque chose et tu es tout le temps frustré. C'est parce que tu les idéalises, que tu les idolâtres encore. Arrête. Pose là ton idolâtrie parentale. Arrête d'idéaliser ta mère. Si ta mère, elle t'a maltraité, plains-toi au Seigneur de la maltraitance de ta mère. Mets là, à l'écart dans ton cœur, prends le temps. Et après, tu vas voir que tu vas retrouver la capacité d'aimer ta mère comme Dieu aime, mais par choix, par un choix délibéré du chrétien qui décide d'aimer une pécheresse. Comment Dieu nous a aimés? Dieu nous a aimés non pas par obligation, parce que nous sommes ses enfants, non. Nous sommes devenus ses enfants parce qu'il nous a aimés. Dieu nous a aimés en toute connaissance de notre péché, de notre trahison, de notre inimitié pour lui. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Mais Dieu nous a aimés parce qu'il n'avait aucune illusion sur notre cœur. Dieu nous a aimés parce qu'il n'attendait pas qu'on devienne gentil avec lui. Dieu nous a aimés parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on l'aime quand on serait plus pécheur. Dieu nous a aimés parce qu'il a décidé qu'il était capable d'aimer un pécheur avant sa conversion, d'aimer un pécheur avant sa perfection et sa sanctification totale. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. C'est comme ça qu'il a posé son amour pour nous. Par un choix délibéré, non pas émotionnel. Parce que sinon, qu'est-ce que vous avez donné à Dieu comme émotion positive? Qu'avons-nous donné à Dieu comme superbes émotions? Non, Dieu nous a aimés non pas par un choix émotionnel, non pas par un choix affectif d'abord, relevant des sentiments, mais par un choix qui venait de sa raison, de sa décision. Il a décidé d'aimer son peuple. Mais le jour où tu te demandes comment tu peux aimer ta mère de cette manière-là, non plus aimer ta mère de manière affective, ton conjoint quand tu es hyper embrouillé avec lui, mais aimer ton conjoint par une décision qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. J'aime cette personne indépendamment de ce qu'elle m'apporte, indépendamment des émotions qu'elle me procure même. J'aime cette personne par un acte spirituel. C'est vraiment un chemin de guérison dans les familles, que le chrétien en vienne jusque-là. Je décide d'aimer. C'est à mon initiative. C'est moi qui décide d'aimer. Je n'attends pas les relations symétriques. Je décide de faire mienne l'élection de Dieu et j'entre dans une relation asymétrique. Et dans nos familles, si nous ne rentrons pas dans des relations asymétriques, si nous n'acceptons pas la relation asymétrique, alors il n'y aura plus de solution. Si nous attendons que tout se fasse un pas chacun, ça ne marchera pas. Il faut endosser la relation asymétrique de celui qui sait, de celui qui voit clair, de celui qui voit plus que les autres, de celui qui a compris des choses que le reste de la famille n'a pas compris. Endosser cette relation asymétrique, j'avais un mot, je ne sais pas s'il est très approprié, mais la manière dont Dieu nous a aimés, c'est par condescendance. Il a accepté de descendre, parce que lui était au-dessus et que nous étions en dessous. C'est ça la condescendance divine. Parce que lui savait mieux, et en fait l'amour de Dieu est possible parce que lui sait mieux. Et si nous n'acceptons pas que Dieu sait mieux et que nous sommes dans une relation qui voudrait être totalement symétrique avec Dieu, nous sommes foutus. La relation que nous avons avec notre Père Céleste est une relation qui est faite d'amour, d'affection. Moi, Dieu, c'est mon meilleur ami, c'est mon plus proche et tout ça. Mais en même temps, c'est lui le prof et moi l'élève. C'est lui le maître et moi, je suis le serviteur. Parce que c'est lui qui sait. Et il y a quelque chose de ça dans cette illumination du Saint-Esprit que nous devons vivre. Nous avons été éclairés. Et dans les schémas familiaux et dans les dysfonctionnements, il y a des choses que vous savez,
et que les autres ne savent pas. Comment allez-vous réaliser, allons-nous réaliser ce miracle au temps de Dieu, comme Joseph qui sait, qui discerne et qui arrive à toucher le cœur de ses frères sans leur faire la morale. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est le temps de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais prier pour les familles de notre communauté, les familles qui sont rassemblées ce matin, et puis donner aussi une piste très concrète à ceux qui reconnaissent des problèmes familiaux qu'ils ont du mal à gérer dans leur cœur, ceux qui souffrent jusqu'à traverser cette souffrance. Continue à souffrir, peut-être qu'il faut que tu souffres encore un degré de plus pour traverser cette souffrance, pour voir un pas plus loin que la souffrance. En fait, il faut que tu souffres jusqu'à la consommation totale de cette souffrance dans la déchirure de tes relations familiales. Que tu ailles un cran plus loin pour accepter que cette relation familiale, il y a quelque chose qui doit mourir. Accepte de souffrir tellement que tu acceptes qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour revivre. Donc souffre un cran plus loin. Si tu vois qu'il y a un problème, eh ben, vois encore un cran plus loin pour voir à quel point le problème est encore un cran plus grand. Parce que le salut de ta famille est à ce prix d'un discernement total. Si tu souffres avec ta famille, tu dois aussi te rapprocher de ta famille spirituelle pour ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois trouver des frères et sœurs parce que tes frères et sœurs vivent la même chose. Ils vivent la même chose. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous soutenir. Si tu vis ça, tu dois trouver ta famille spirituelle à qui tu ouvres ton cœur. Tu ne peux pas vivre sans ouvrir ton cœur. On ne peut pas vivre sans famille. Et l'Église, c'est la famille des familles. Et si tu vis ça, tu dois vivre cette restauration pour toi-même. La guérison de ta famille, elle ne peut pas se passer de ta guérison intérieure. Tu ne peux rien faire, ne retourne pas évangéliser ta famille tant que tu n'es pas guéri. Arrête de témoigner à chaque repas de famille tant que toi, tu n'as pas guéri tes souffrances vis-à-vis de ta famille. Non, parce que sinon, moi je sais qu'à chaque fois qu'on a voulu faire ça avec mon épouse, mais genre on a mis le bazar, on a été jugé comme condescendant justement, orgueilleux, ouais, ils viennent toujours nous accuser, ils ont toujours raison, nanani, nanana. Moi parfois j'ai vu des situations hallucinantes où je voyais ma femme qui essayait de témoigner d'un truc et après quand elle partait, mon oreille traînait et j'entendais le débrief. Et les gens, ils racontaient juste des choses qui étaient l'inverse de ce que ma femme avait dit. L'inverse, je vous promets. J'entendais le débrief, mais c'était comme si le diable avait tout retourné. Il y avait des failles. Retire-toi, fais une retraite spirituelle, parle-en à des frères et sœurs de la famille spirituelle et occupe-toi de ta guérison. Occupe-toi de ta guérison. Occupons-nous de notre guérison, les uns et les autres. Nous avons besoin de ça. Soutenons-nous les uns les autres pour guérir. Et après, nous attendons le temps de Dieu. Et des miracles dans les familles, ben c'est sur ça qu'est fondé le peuple d'Israël. C'est sur ça qu'est fondé le peuple d'Israël. Les miracles chez les patriarches, chez Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les 12 tribus, Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph. La famille de Dieu est fondée sur des miracles à l'intérieur des familles. Le miracle à l'intérieur de la famille de Jésus lui-même. Jésus qui est passé par cette mise à distance de Marie pour la retrouver aussi. Ce miracle qui est passé par la mise à distance de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui ont dû quitter leur père et qui ont été une bénédiction pour tout le monde. Ces miracles dans les familles de ces couples qui ont pu devenir des couples de serviteurs pour l'Éternel. Je pense à Priscille et Aquila. Il y a des miracles familiaux plein le Nouveau Testament. Des familles qui étaient consacrées. Philippe qui avait ses filles qui prophétisaient. Il y a plein de miracles dans le Nouveau Testament. Il y a des familles qui se sont converties en entier. Dans l'histoire de l'Église, le salut, les réveils sont toujours passés par les familles. Par le fait que quand il y avait quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'énorme dans sa vie, il y
il y avait toujours un moment donné où ça transpirait pour sa femme, pour ses parents, pour son conjoint, pour ses enfants. Il y a toujours un moment où ça transpire. Toujours un moment donné. C'est une promesse de Dieu. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants, dit Pierre aux Juifs qui demandent, mais comment allons-nous faire pour être sauvés? Cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il y a un enfant qui me dit que j'ai trop parlé. Je voudrais maintenant prier. Oui, Seigneur Tout-Puissant, je te remets cet enfant, je te remets tous les enfants de cette assemblée et je te remets tous les adultes qui sont là. Seigneur, je te remets les familles qui vivent des grâces, des bénédictions, les parents qui viennent avec leurs enfants, les couples qui peuvent venir ensemble, les couples qui viennent ensemble à l'église et qui ont donné leur cœur tous les deux à toi. Seigneur, oui, c'est une grande grâce que ces familles qui vivent pour toi et qui peuvent dire, comme Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et puis je te remets tous ceux dont ce n'est pas le cas. Je te remets toutes mes sœurs et tous mes frères qui vivent dans l'espérance de la conversion de leur conjoint. Seigneur, je te les remets pour qu'ils soient armés par toi, pour qu'ils puissent vraiment prendre de la distance par rapport à la conversion de leur conjoint, qu'ils prennent cette distance qui est non pas la distance de l'indifférence, mais la distance qui va te laisser à toi la place d'être proche, la distance qui va te permettre à toi d'intervenir dans ces couples. Je te remets ceux qui souffrent pour leurs parents, ceux qui souffrent pour leurs parents dans différents contextes religieux. Je te les remets, Seigneur, pour pas qu'ils soient traumatisés par l'urgence de la conversion de leurs parents à cause de l'âge de leurs parents, de l'état de santé de leurs parents. Seigneur, toi, tu es tout puissant et il n'y a pas de raison qu'on s'inquiète plus que toi de la conversion de n'importe qui sur cette terre. Rappelle-nous à nous tous, Seigneur, que tu aimes nos parents plus que nous ne les aimons nous-mêmes, en fait. Oui, Seigneur. Et ils ont plus besoin de toi que de nous. Seigneur, je te prie pour nos enfants, ceux qui ont des enfants qui sont déjà adultes, ceux qui ont des jeunes enfants. Seigneur, je te prie parce que nous ne voulons pas être ces parents qui transmettent simplement de la religiosité. Ouais, Seigneur, garde-nous de ça. Garde-nous de transmettre simplement un style de vie chrétien, un protestantisme culturel ou sociologique. Loin de nous, Seigneur, ça. Permets-nous d'échapper à cette transmission religieuse et d'être seulement ceux qui te laissent de la place pour convertir nos enfants, pour les attirer à toi. Seigneur, permets-nous d'être des hommes et des femmes d'occasion, des hommes et des femmes qui voient ce qui se passe dans les relations humaines, des hommes et des femmes éclairés. Permets-nous d'être des voyants, permets-nous d'être des prophètes, permets-nous de voir au-delà du visible, de voir ce qui est bon et aussi de voir ce qui est mauvais. Permets-nous de prendre du recul, permets-nous d'être éclairés par ton Saint-Esprit. Et puis évidemment, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, permets-nous de voir la restauration, la réconciliation et la conversion de ceux que nous aimons. C'est ma prière, Seigneur, au nom de Jésus.